comes the y'all don't really worry about it. Salut tout le monde, et on se retrouve aujourd'hui donc pour l'épisode 8 du mode Classic The Streak dans le mode The Streak dans WWE 2K14. On a encore perdu la dernière fois dans l'épisode 7. On a perdu avec Damien Sandow, c'était la mort, et Daniel Bryan, où je méritais de gagner, franchement. Et donc là, on s'attaque avec Darren Young et David Tonga, qui ont tous les deux 84 de général. On va voir ce que ça donne face à Undertaker. J'espère peut-être décrocher la victoire. Par contre, si j'arrive à battre Undertaker avec Darren Young, c'est du foutage de gueule. Hein. Parce que si je perds avec Daniel Bryan et que je gagne avec Darren Young, c'est du foutage de gueule. Mais on parlera pas de ça, pas de foutage de gueule, on parle tout de suite du match. Je retourne juste après l'entrée. Non, je crois pas. Je crois pas que j'ai gagné, mais je vais essayer quand même de pousser la victoire. Ah, mais il fait sonner la cloche que je détruis Undertaker cette fois. J'en ai marre de perdre, j'en ai marre. C'est comme mon autre carrière, je marque jamais de but. Je veux marquer, mais dans ce jeu, je veux battre Undertaker. Laissez-moi au moins une fois par épisode au moins le battre. Une fois, je marque. Juste une fois. Voire deux peut-être, j'ai de la chance. Mais là, il a l'air pas de. Il a l'air pas vouloir me donner de chance hein. Oh, je suis soulevé en Undertaker. J'y croyais pas, mais bon. Parti, je te barre dans le coin. Oh, je t'expose ta petite gueule de camp. Désolé, il fallait que je sorte celle-là. Je te respecte ton Undertaker, hein, t'en fais pas. Je sais pas que t'as une gueule de con, mais j'en ai marre de perdre. Mets-toi à ma place. Mets-toi à ma place, Undertaker. Si dans un mode de jeu, tu fais que perdre. C'est mauvais pour le business. Mais vous voyez que je le fais en live. Et que je prends pas genre... Je prends pas genre des vidéos quand j'arrive à le battre avec un catcheur. Vous voyez que c'est en live. Et si je perds, ben je conserve la vidéo. Hein. Je veux pas la supprimer parce que j'ai perdu. Mais sinon, le nombre de temps que je perdrai... Ça, je peux me permettre de faire ce mode de Tifa là, encore, et encore.
Yeah. And there's the elbow. And he gets leveled. Par contre, il est franchement trop résistant. Vous, vous êtes une merde, si on peut dire. Vous résistez à rien, il vous fout deux contres, une petite prise, vous avez déjà le dos jaune. Vous, vous lui foutez plusieurs ciblages corporels, par exemple, vous faites plein de prises au bras, plein de prises au bras, plein de prises au bras, c'est une vingtaine, il a le dos jaune. 8-3 prises, c'est bon, hein. Vous êtes KO. Pourquoi il a fait ça? Putain, je lui ai demandé de faire une prise. Fais pas ça. Tant il fait ça, vas-y. Bon, tu sais quoi? Va te faire foutre, voilà. On fait un peu de provoc parce que là... Merci Undertaker d'avoir laissé ma provoc. J'ai pas de chance. Coucou. Allez, les soumissions, ça veut pas, hein. Allez, prise, ça passe, mais soumissions, non, hein. Bon, j'en ai marre de perdre, là, franchement. On sort l'artillerie lourde. Bah, faut que tu me claques, j'ai... Quand tu fous une claque, tu laisses tomber la chaise, toi, normal. Tiens, allez. Dégage. Ouais, shut up. Voilà. Shut up. Alors, il saigne la tête jaune, hein. Hein, pour vous dire. Juste pour dire que c'est du foutage de gueule complet. Tiens, c'est gueule. Non, t'as pas le droit, Undertaker, t'as pas le droit. T'as pas le droit, Taker, t'as pas le droit. Voilà, il a un coup spécial, évidemment. C'est tellement plus fun de foutre des coups spéciaux aléatoirement. Je dis pas que c'est fini quand même. Non, ça va. Okay. Oh oui! J'ai contré le Tombstone Piledriver! Attendez. Non! Non, Taker, pourquoi? Sleeper hold. Voilà, bah lui il arrive à contrer. Quand lui il fait une prise de soumission, ben ça veut pas. Oh, oh. Non, reviens. Reviens dans tes cœurs. Viens là dans tes cœurs. Viens. Je t'attends. Pour te foutre ça dans ta race. Eh putain. Pourquoi tant de haine envers moi? Cours, Darren, cours! Oh, j'ai cru qu'il allait me faire sauter. Non, 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 Darren, non, Darren. Oui, Darren! Oui, Darren, c'est ça qu'on veut voir! Oui! Après ton finisher, c'est fini! Oui! Non! Mais non! Mais non! Mais c'est pas possible! Et il fout de gueule là! Ouais, il y a son contre, évidemment. Non, mais là, franchement, c'est tout! Tous les finishers que je lui ai placés, ils passent pas! Oh, mais c'est du foutage de gueule! Je lui ai foutu quand même 5 finishers là! Ouais, mon coup. Non, 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 pas de revanche, pas de revanche. On va les calmer lui parce que là il va péter un cap. Lui. Péter une durite. Oh là là, ton cul. Bah, tu as encore plus souffert à l'extérieur du ring. Non, pas ça, Darren. T'as juste une tienne en dessous.
À côté de toi, t'avais une chaise. Ouais, Darren, vas-y, fais ta Darren. Voilà, fais ta descente de la cuisse. Mais non, t'as la chaise à côté de toi, Darren. T'as la chaise à côté de toi. Fais pas ton con, quoi. Là, voilà. Non, mais... Comme ça, comme ça, tu vois, on a peut-être comme ça. Voilà. Jump, hey, drop. Je sais même pas si ça s'appelle comme ça le finisher, mais c'est en gros les coups de genou dans le bide. Ouais, Zabdo. Non, t'as pas le droit, Taker. Non, t'as pas le droit, dans tes cœurs. Et voilà, là il relâche la prise. Ah, oh, il va me saouler dans tes cœurs, ça y est. Allez. Tombez, vas-y, tombez avec. Non, j'y crois pas. Bon, on va lâcher la prise, hein. Faut pas arrêter d'abuser, là. Et pourquoi les soumissions contre à chaque fois? Oh non, non, là, c'est tu. Non, si tu gagnes comme ça. Donne une réclamation, hein. Mais roule, roule ma poule. Oui, soumission, vas-y, fais le hurler de douleur. Non, je crois pas. Relève-toi. C'est bon, là c'est fini. C'est fini là. Oui, vas-y, tombez. Oui, Darren Young, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule. Oui, enfin. Enfin, je le bats. 3 à 6. Du foutage de gueule, hein. Je perds Daniel Bryan, je perds CM Punk, je perds Brock Lesnar et je gagne avec Darren Young. Attends, peut-être que Santino Marella va réussir à battre Undertaker, hein, on sait jamais. Grosso modo, il n'y a pas vraiment ce concept de battre Undertaker avec toutes les superstars. Donc, essayez de battre Undertaker avec toutes les superstars. J'ai dû bien lui coller 7 finishers quand même pour le battre. Contre les deux finishers, je vais voir le score. Ouais, pas mal. Bien. Bien. Beau truc. Il y a eu du spectacle, la compétitivité, l'enthousiasme. Du drame, il y a eu du drame aussi. C'était un beau match. Mais j'ai fait 74 minutes, mon meilleur score. 9 minutes le match. Bon, bah, on va enchaîner avec le deuxième. Ah, je suis le 11ème. Avec notre deuxième participant qui est David Otunga. Ah, WrestleMania 30 peut-être porte bonheur, mais on va continuer. Et les deux prochains seront sûrement Dean Ambrose et Dolph Ziggler, je crois. Du coup, bah, après les Inflames, les enfants. Out.
Bon bah c'est parti hein. Allez David. T'es David, c'est Goliath. Il faut que tu le battes. Là il a eu des boules puisqu'il avait perdu juste avant. Donc voilà, il ne peut pas de cadeau. Oh! Ils sont rebelles. Merde, je suis sur du ring. J'en vais souffrir dans ce match. Voilà. Essaye. Voilà, c'est bien. Fais du mal. Même s'il va pas. Il connaît pas la douleur, mais fais du mal quand même. Allez, éclate-le au sol. Bonne. Voilà, frappe-le. Frappe-le. Comme ça. On va rester un peu beaucoup avec ça en durée. Pour le faire souffrir au moins. Ou pour me faire souffrir aussi. Bon bah Jerry et Michael ils sont bas les couilles complètement. Ah bah Jerry qui s'est levé, bon peut-être pour faire semblant. Ah non j'ai dit bon bah tant pis hein. Deux catcheurs, pas vraiment brutal. En Undertaker est brutal mais pas David. On s'en fout, il se bat à côté de nous, on s'en fout, on peut se prendre un coup d'escalier dans la tête, mais on s'en bat les couilles hein. On est commentateur hein. À la vie, à la mort, limite. Attends, je continue, hein. C'est comme ça qu'il faut gagner. Pour la victoire. Tiens. Là, il va se tuer. Voilà. Il se prend le coup. Save. Esquiver. Il se prend le coup. Bah, mon petit Undertaker, t'es niqué, hein, puisque t'es dans le coin. Allez! Ah, dommage, je continue d'escalier. Et on va continuer, mon enfant, on va continuer. Hein. Tu esquives. Ah, tu prends pas le coup, toi, hein, t'as contré. Problème avec moi, c'est que je reprends vite les choses. Et le verdict! Bon, on vous aime bien, les gars, mais c'est le jeu. C'est pas con. C'est con. Et merde. Je suis con. On peut dire ça. Oh non, Dotsker, fais pas ça. Ah, si tu commences à jouer comme ça, hein, moi aussi, je vais pas me gêner. Bon, bah, il va se mettre en 100% contre. Hein. Allez, contre. Éclate-le au sol, voilà. Prends la cloche, David, prends la cloche, fais sonner la cloche. Voilà. Ah, t'as compris, t'es clair ou. Non? Non, faut que je continue à. Je vais te faire comprendre que c'est qui le boss là. Hein?
Bon, l'arbitre ne doit rien faire. C'est un no-hold bullet match. Un match sans règles. Putain, je lui frappe à la tête, il n'a même pas pris à la tête. Bah, moi, je te compte. Là, 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 je te compte pas. Il faut vraiment que je change. Bon, là, je coupe après l'épisode. Je change. Mon finisher. Il faut que je fasse. Faut que je fasse le changement du finisher de David. Parce que sinon, je l'oublie à chaque fois. Ouais, c'est peut-être que vous aimez bien ce finisher. Moi, je te fais tourner un bruit. Voilà. Come on, ref. Voilà. Bon, on change d'arme. On peut dire on permute. Allez. Ok, si t'as envie. Connard. Tout, voilà. Sur la chaise, si t'as envie. Oh, il y avait 3 là. Genre le mec qui se cherche des esprits. Je sais, Taker, je sais que t'as la haine. Parce que je t'ai fait virer ton mois de revanche, je le sais. Mais franchement, je mérite de gagner. Avoue ça au moins. Non. Voilà. Ah, voilà, Skio. Ah, on n'a pas de... Bon, ben, évidemment, le DT de salope. Là, franchement, je suis en train de jouer comme Taker. Allez, ça fait les Taker. Oui. J'ai réussi à battre Undertaker avec David Otunga et des objets, donc un sans faute pour cet épisode, ça fait du bien. Donc ça nous ramène à 4 à 6 pour Undertaker, donc 4-6 hein, pour moi. Donc j'ai 4, il a 6 pour Undertaker. Et donc un épisode gagnant, ça fait plaisir quand même de faire 2 victoires. Pas avec les catcheurs que j'attendais le plus et que je croyais que j'allais perdre avec eux. Mais j'ai su utiliser à bien les règles du No-Hold Bullet Match. Et si vous ne l'avez pas encore battu, je vous conseille d'utiliser aussi les règles du No-Hold Bullet Match, c'est-à-dire la cloche, les chaises, les sledgehammers, les escaliers, tout. Bon, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu. Laissez un j'aime, un commentaire, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et donc, on va vérifier qui on utilisera la prochaine fois. Avant que la caméra se coupe. Ah oui, parce que j'ai pas battu mon score. Et la prochaine fois, on utilisera donc Dean Ambrose et Dolph Ziggler. Et j'espère que je vais gagner avec ces deux catcheurs pour revenir à égalité. On verra ça tout de suite. On verra ça au prochain épisode. Tchuss et gens, bye bye. À la prochaine.